La conduite en sécurité d'un chariot automoteur à conducteur porté requiert de la part de son conducteur des compétences en technologie, en prévention des risques professionnels, des connaissances en réglementation et des savoir-faire pour la conduite. La séquence à laquelle vous allez assister est une reconstitution, à des fins pédagogiques, d'une situation d'évaluation de ses connaissances et savoir-faire. Elle ne présente pas toutes les contraintes de la vie industrielle. Donc le site pour la pratique, c'est ici. Le testeur présente au stagiaire l'exercice qu'il va devoir effectuer. Je vais aller contrôler ma charge. Donc j'ai une palette qui fait 1,14 tonnes de béton. Donc ma charge qui est bien sanglée, ce qui n'est pas tombé. Ma palette est sur la distance D de 500. 500. De 500. Donc voilà. Donc après, je vais repérer mon parcours. D'accord. Donc je vais venir la prendre là. Donc après, je vais poser ma charge là. Je vais repartir comme ça. Donc voilà. Hop. Puis je repasse là. Tu veux être au large, il passe pas. T'as. Celui-là, ben, il passe pas dans mes. Par rapport à mon tonnage. D'accord. Parce qu'il est à 3 tonnes. Je vais prendre plutôt celui-là parce qu'il passe dans le tonnage et c'est un électrique. Ok, d'accord. Voilà. Je vais prendre en fonction de la plaque de charge, il peut lever 2 tonnes 240. Donc par rapport à ma palette qui fait 1 tonne 14, donc il va pouvoir la lever. Je vais la prendre sur la distance D de 500. Donc c'est bon. D'accord. Je vais prendre ce chariot. Donc je contrôle mon chariot, je regarde ici. Je contrôle ici qu'il n'y ait pas de fuite. Qu'il n'y ait pas de fuite à mes vérins. Mes tiges sont en bon état, qu'elles sont bien graissées. Mes chaînes. Flexible. L'état du mât. Là. Ici. L'écosse, qui n'est pas d'oxydation. Prise. Voilà. Ah, pour le vérif, contrôler. C'est bon. Ok. Ceinture. Je vais régler mon poids. Siège en fonction de mon poids. Batterie.
avancer.
Voilà, fin de poste, j'ai fait le tour de mon chariot, il est en bon état, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas de fuite. Je relève mon capot, je mets mes batteries à charger tout en regardant le niveau de l'électrolyte. Merci.